Nous présentons aujourd'hui les cultures et expériences d'Aise en Avignon, dans un lieu très emblématique de tous les formats du spectacle. Les cultures et expériences d'Aise, c'est la rencontre de ces fous de technologie avec des fous du spectacle qui en font et qui peuvent avoir besoin, pour leur créativité, de découvrir des champs nouveaux que peuvent leur apporter les techniques et les technologies d'aujourd'hui. Ça peut prendre la forme d'ateliers parfois. Là, aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans un format de conférence-performance, mais l'idée est bel et bien toujours la même, qui est de populariser ce concept de rencontre. Alors aujourd'hui, on a présenté une étape de travail dans la création d'un nouveau spectacle qui s'appelle le Palais de la mémoire. On utilise un nouvel instrument qui s'appelle le SoundSpace et qui permet de disposer des sons dans l'espace. Alors on est équipé comme ça de capteurs et puis on peut poser des sons dans l'espace et jouer avec. Basically what it does, it allows the dancer or whoever to paint a sound in the space by using their gesture. The project is based on the idea of memories and the memory palace, so having a physical space where memories can be stored in a way as a method for the person to remember. And this idea of placing sounds in space or placing memories in space using the body is what we are researching. L'activité de synchroniser sa voix et son geste est quelque chose qui est tout à fait commun à tous. Et donc en utilisant des capteurs accélérométriques, ça nous permet d'accéder aux données du geste et du mouvement. Par contre, il ne sait jamais où il est, il ne connaît pas sa position dans l'espace, donc pour ça on utilise une Kinect, une caméra qui, elle, va être très, très habile à vous dire ah ben, où est la main gauche et où est la main droite. En utilisant ça, on a tous les ingrédients pour faire un joli palais de la mémoire. I would encourage artists to really look outside of their particular arts field. Creators gonna have to look at telling stories in new ways, and I think we're going to come to the point where art can have a very powerful impact, because seeing story from more than one perspective means that there is a better possibility for empathy. Then I think there is going to be a bigger possibility for a better way of dealing with each other as humans.